Docteur. Oui, Maria. Madame la comtesse est au plus mal. Je crains, ma pauvre Maria, que la Saint-Denis emporte votre maîtresse. Quelle misère. La marée était bonne, Théophile. Il n'y a plus rien. Tiens donc. Vois qui vient là. Bonjour, Cécile. Quel bon vent t'amène, Maria. Ton homme est en mer. Mer du Nord. Mer de mort. T'endurera la mer, t'endurera ton Pierre. Et toi, Maria, comment y va ton château dans ces vieux murs? Le docteur Jugan s'en remet à monsieur le recteur. Comme d'habitude. Et monsieur le recteur s'en remet au bon Dieu. Et le bon Dieu, lui, m'a guidé ici, chez toi, Cécile. Mais Maria, ma sœur Émilie n'est plus de ce monde. Mais ta fille. Madeleine est une enfant. Madeleine a le don. Elle ne sait rien. Qu'a-t-elle besoin de savoir? Mais tu oublies, Maria, que ton château au Loup est à une lieue d'ici. Et si je la laisse y aller une fois, elle devrait y retourner à jeun, 5 matins ou plus. Non, Maria, Madeleine n'ira pas. Allez, debout. Madeleine! Et qu'on ne te voit pas. Thank you.
Entre, ma petite. Pas déjeuner. Prends cette flanelle. Elle recevra ta salive. Madeleine, debout. Bien, Jeanne, Madeleine n'est pas avec toi ce matin? Pas non. Entrez. Malade aussi pitoyable. On la croirait ensorcelée. Sais-tu, Raymond, comment on se nomme cette maladie? Quand elle fait le tour du corps, la ceinture du diable. Thank you.
gauche à droite. Je sais, Maria, je sais. Docteur Jugon doit passer. Entrez. Eh bien, Madeleine, toujours en retard. De 12 à 15 ans, Anne l'orpheline, devenue duchesse couronnée, reconnue par tout son peuple, s'affirme en femme exemplaire. Elle a courage d'homme et de lion. Madeleine, veux-tu rester un instant? Allez jouer dehors. Que se passe-t-il cette semaine? Pourquoi ce retard tous les matins? Y a-t-il des problèmes à la maison? Alors? S'appelle-t-elle? C'est Madeleine, la fille de Cécile et de Pierre Le Goff de la Ville-et-Chêne. Elle a affronté froidure,
brumes et questions pour venir à votre chevet. Ah, madame, Dieu soit loué. Et vous aussi, docteur. J'avais confiance. La science devait guérir ce Zona. Ma bonne Maria, tu peux.